Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. झुठड़ी छे माया काची छे काया धारी काची छे काया धारी काची छे काया धारी काची छे काया धारी झुठड़ी छे माया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम कांची हो कौन घड़ेगी थारी कांची कांची हो झुठड़ी छे माया राम झुठड़ा सा लेख लिखाया राम झुठड़ा सा लेख लिखाया राम कांजियो कौन घड़ेगी थारी काया जी જૂઠડી છે માયા રામ જૂઠડા સાલે ખલી ખાયા રામ કાંજી હો કોણ ઘડેલી તારી કાયાજી કાંજી હો કોણ ઘડેલી તારી કાયાજી सकल हंस में राम बिराजे, सकल हंस में राम बिराजे। अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं, यहाँ राम बिना रे कोई धाम नहीं। हाँ सब धर्मंड में जोत का वासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ सब धर्मंड में जोत का वासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ तीन गुण पर तेज हमारा, हाँ तीन गुण पर तेज हमारा। अरे पाँच तत्व पर ज्योत जले, यहाँ पाँच तत्व पर ज्योत जले। हाँ जिनका उजाला चौदह लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। हाँ जिनका उजाला चौदह लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। हाँ नाभि कमल से परख लेना, हाँ नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बीच फिरे मणि, यहाँ हृदय कमल बीच फिरे मणि। हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में, और ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। जो मोती लाल जवाहरत, अरे प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही, यहाँ प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही। साच मोती सुमर लेना, राम धन से मारी डोरी लगी। साच मोती सुमर लेना, राम धन से मारी डोरी लगी। साच मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोर लगी। Namaskaram, namaskaram à vous tous. Eh bien, le virus continue à se propager et continue aussi à révéler de nouveaux aspects de ses capacités. Tout un tas de choses apparaissent qui le rendent beaucoup plus compliqué que ce que nous avons pris pour une simple infection respiratoire. Eh bien, nous n'avons pas encore une vue d'ensemble de ce que nous combattons. Donc la meilleure chose est de ne pas le rencontrer pour un certain temps. Au moment où nous devrons le rencontrer, nous devrions au moins avoir une vue d'ensemble de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Parce que les gens meurent de crises cardiaques, Les gens meurent d'AVC, les gens meurent de fibrose des poumons, de pneumonie et de défaillance du système immunitaire, tout un tas de choses, toutes provoquées par le virus. Donc, la meilleure chose que nous pouvons tous faire pour le moment, c'est de ne pas le croiser. À un moment, au cours des prochains mois, il se pourrait qu'on ait à le rencontrer. Mais d'ici là, on aura peut-être une meilleure idée de ce à quoi on fait face. Pour le moment, on n'en a pas une idée assez claire. Et aux États-Unis, ça continue, 43 000 morts, et je crois plus de 3/4 de million de contaminations. En même temps, tout un tas de gens qui croient que le virus est juste un mythe, il est juste dans votre tête. Il doit être dans leur tête, ça se voit. Près de 200 000 morts à travers le monde. Et vous croyez que c'est dans la tête de quelqu'un? Eh bien, la situation est grave, parce que les gens sortent dans les rues aux États-Unis et disent « J'ai besoin d'une coupe de cheveux, je ne peux plus rester chez moi, j'ai besoin d'une coupe. » Eh bien, malheureusement, ce n'est pas juste dans un pays, n'importe où dans le monde. Malheureusement, on a vu ça à toutes les époques de l'histoire. Ceux qui sont devenus riches pour 2 ou 3 générations d'affilée sont devenus une population terriblement frivole. On dirait que seules les crises, les difficultés font que les êtres humains restent raisonnablement concentrés sur quelque chose. Quel dommage! Le bien-être, la plupart des gens ne savent pas le gérer. Le bien-être durable a généralement été un désastre pour la plupart des civilisations du monde. Pas aujourd'hui, depuis toujours. C'est ce que nous devons changer. Même en cas de bien-être durable, on ira quand même bien, on ne se fichera pas en l'air. De bien des façons, au moins certains segments de cette culture ont démontré cela dans le passé. Parce que la richesse matérielle était toujours associée à des pratiques spirituelles et une conscience spirituelle. Grâce à cela, les gens demeuraient stables. C'est seulement maintenant que ça change à cette génération. Sinon, il y a juste 25 ou 30 ans, si vous alliez aux endroits où les gens les plus fortunés se retrouvent dans ce pays, vous verriez, à part les femmes, les hommes étaient toujours vêtus de blanc, tout simple, haut et bas blanc. Aujourd'hui encore, au Tamil Nadu, dans une certaine mesure, c'est vrai. Si vous allez à un mariage, à l'extérieur, vous voyez... des Bentley, des Mercedes, des BMW, toutes garées. Et bien sûr, il y a un tas de motos et de mobilettes TVS, bien sûr. Si vous entrez à l'intérieur, au moins du côté des hommes, vous ne pouvez pas distinguer qui est arrivé en Bentley et qui est arrivé en mobilette, car tous deux sont vêtus de la même manière. Vous ne pouvez pas savoir. Les femmes, par le poids des bijoux qu'elles portent autour du cou, vous pouvez distinguer. Peut-être que cette personne est riche, celle-ci est pauvre, mais chez les hommes, impossible de distinguer parce qu'ils sont tous en blanc. Même chemise blanche, empesée et dhoti blanc. Parce que être riche est une chose, Mais en faire étalage devant les autres et leur donner un sentiment d'infériorité était considéré obscène. Jamais personne ne parlait de fortune quand ils se voyaient. Mais de nos jours, les choses changent rapidement, partout dans le monde et en Inde aussi. Mais pendant de longues périodes, des générations de gens ont maintenu une fortune immense, mais malgré cela, grâce à leur conscience spirituelle, la richesse ne les a pas déformés. C'est très important, parce que jamais auparavant, nous n'avons été capables de créer de la richesse pour autant de gens qu'aujourd'hui. Par le passé, les riches étaient un très petit nombre. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui peuvent s'offrir beaucoup de choses, leur nombre a augmenté. Malheureusement, beaucoup de gens en sont encore exclus, c'est une autre affaire, mais tout de même, plus de gens ont accès à plus d'argent et plus de richesses et plus d'aspects de la vie que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Donc à une époque comme celle-ci, si notre développement matériel, notre bien-être matériel et notre richesse ne sont pas associés à une conscience spirituelle, eh bien, ça ne va pas jouer en notre faveur. Même ici, c'est très clairement démontré. Près d'ici, à moins de 60 km, il y a une ville qui s'appelle Tirupur. Bien sûr, en ce moment, ils sont un peu en mode dépression, mais autrement, dans cette ville, même le travailleur lambda, les petits boulots, ils gagnent 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagneraient à Coimbatore, parce que c'est une ville entièrement tournée vers l'export, et tout le monde a sa propre entreprise. C'est la ville de la bonneterie. Il y a de la richesse. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça donne? D'une part, près de 42% de la population masculine est diabétique, à cause de la richesse. D'autre part, à la fois les hommes et les femmes, généralement, ils tentent de prendre la forme de la planète. Hier, c'était la journée mondiale de la Terre, vous savez? Donc, ils travaillent à cela. Il y a quelques années, il y a environ 3 ou 4 ans, on a découvert que tout l'alcool, c'était à l'époque de Diwali. De tout l'alcool vendu au Tamil Nadu, près de 70% était consommé par cette seule ville. Donc, si vous devenez riche, vous finirez soit à l'hôpital, soit dans le caniveau. Oui. Donc, si c'est ça que la richesse va faire, à coup sûr, ce n'est pas une bonne chose. La richesse doit amener du bien-être, parce que de la pauvreté à la richesse, que ce soit dans la vie d'un individu, ou d'une société, ou d'une nation, c'est une lutte. Il y a beaucoup de travail. Vous devez passer par beaucoup de choses désagréables pour passer de la pauvreté à la richesse. Ça n'arrive pas juste comme ça. Une fois arrivé, si tout ce que vous faites, c'est de finir à l'hôpital ou dans le caniveau, à quoi ça sert? Tous ces efforts n'ont plus aucun sens. Maintenant, la génération suivante ne va même pas chercher à réussir, si c'est ça que vous illustrez. Il est très important que chaque génération doit montrer que ce que le bien-être matériel leur a apporté, c'est l'aisance, le bien-être, la santé, l'intelligence, le talent, et par-dessus tout, une belle façon de vivre. Si une génération ne montre pas ça, alors la génération suivante va commencer à plonger. Donc de bien des façons, c'est ce qui se passe dans le monde. Je pense que au siècle dernier, ces 100 dernières années, toute chose, bonne ou mauvaise, arrive généralement en premier aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, la jeune génération est en train d'illustrer comment on peut tous être perdus dans une bouteille ou dans une pilule. Les gens meurent, même en ce moment, les gens meurent d'overdose et ainsi de suite. Et l'une des choses les plus commandées dans ce commerce en ligne, ce seraient toutes les drogues légales et les stupéfiants. Eh bien, ici, nous luttons pour que les gens ne meurent pas de faim. Mais maintenant, ils sortent pour manifester. Des centaines d'entre eux sortent pour manifester dans les rues. Qui êtes-vous pour nous demander de rester chez nous? Le gouvernement n'a pas de pouvoir. On va avoir recours au premier amendement et au deuxième. On va faire ce qu'on veut faire. Des forces supérieures vont veiller sur nous. On n'a pas besoin de médecins, pas besoin de scientifiques, que des foutaises, ce virus. Il y a une force supérieure qui va veiller sur nous, et on veut une coupe de cheveux. Hé, vous n'êtes jamais allé chez le coiffeur? C'est bien, vous êtes comme moi. Donc, c'est en train de devenir à ce point futile. Si on n'anticipe pas certaines choses, ça va se finir par un désastre. Donc, Shankaran Pillai vivait à San Francisco. Et son ami lui demande, en voyant un bateau tout défoncé, « N'est-ce pas le bateau de ton oncle ?» Il dit, « Oui, c'était le bateau de mon oncle. »« Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ton oncle ?» Alors, Shankaran Pillai dit, « Tu sais, quand tu t'approches du Golden Gate Bridge, tu as vu ce grand rocher? » Oui, je l'ai vu. Eh bien, pas lui. Si vous ne voyez pas certaines choses, ça peut être un désastre. Donc, actuellement, c'est primordial, parce que on n'a aucune idée de ce qu'est ce virus. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas le rencontrer. Tout le monde s'efforce de ne pas le rencontrer. C'est la chose la plus simple qu'on puisse faire. Actuellement, c'est tout ce qu'on a fait. En contrôlant les comportements humains, on le gère. On n'a pas contrôlé le virus, d'aucune manière. Donc tout le monde loue l'Inde pour son leadership et sa gestion du virus avec une population aussi dense, principalement du fait d'un contrôle très rigide des comportements humains. Vous tous, qui ces 15 derniers jours survivez juste avec des citrouilles et des patates douces, et des haricots, pas de légumes, pas de fruits. C'est pour ça qu'aucun d'entre nous n'a de problème. Si tous les jours des camions font des allées et venues, alors des choses vont se produire. Donc, quand le déconfinement aura lieu le 3 mai, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera partiel. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre un déconfinement total. Le déconfinement sera partiel, à la fois géographiquement et en termes d'activité. Certaines choses seront possibles, d'autres non. Et certaines parties du pays seront déconfinées, certaines parties non. Tous ces endroits qui ont été marqués comme des zones rouges actuellement, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de les déconfiner. S'ils les déconfinent, ils vont tous nous le passer. Donc ici aussi, il y a des gens qui sont gérés par un autre endroit. Ces gens deviennent dingues. Ils attaquent les médecins, ils attaquent la police. Comme vous le savez tous, un nouveau décret a été passé pour gérer ça, mais ça continue quand même. C'est incroyable, au XXIe siècle, où la plupart des gens sont au moins allés jusqu'au CM2, et la plupart des autres sont au moins allés jusqu'en 3e, et ont au moins quelques bases scientifiques en tête. À une période comme celle-ci, où quasiment 200 000 personnes meurent de façon bizarre, vous n'arrivez toujours pas à convaincre les idiots qu'il y a un réel problème. Merci à l'intelligence humaine. Cette question est de Siddharaj. Namaskaram Sadhguru. Devi est une manifestation du divin. Et vous avez dit que de nombreux temples dans le monde entier ont été détruits. J'aimerais savoir pourquoi Devi n'a pas été capable de se protéger elle-même. Eh bien, oui, c'est un fait que l'adoration du divin sous forme féminine était largement majoritaire dans ce qui est aujourd'hui l'Europe, l'Arabie, l'Asie centrale, tous ces endroits. Mais elle n'a réussi à survivre que dans cette partie de l'Asie. Ailleurs, elle a été violemment déracinée. Eh bien, peut-être qu'une version mieux documentée de ce déracinement du divin féminin, c'est... Vous avez à coup sûr tous entendu parler de... Vous savez, la chasse aux sorcières. Le terme est encore utilisé aujourd'hui. Si quelqu'un est injustement pourchassé, on parle de chasse aux sorcières. Ça vient du temps des croisades. On estime qu'ils ont brûlé vives plus de 6 millions de femmes sur une durée de 150 à 200 ans, ça je n'en suis pas très sûr, mais sur une certaine durée. À cette période des croisades, où certains répandaient leur religion avec beaucoup d'ambition, c'est ce qui est arrivé. Ces femmes qu'on a brûlées comme ça, et beaucoup étaient simplement brûlées pour diverses autres raisons, mais tout était... Dites juste que quelqu'un est une sorcière, terminé, les gens vont la brûler. Encore aujourd'hui, cette pratique est présente, malheureusement, ici et là. Donc qui est une sorcière? D'une manière ou d'une autre, lorsqu'une femme montre qu'elle est capable de faire quelque chose ou de savoir quelque chose, au-delà des enfants et de la cuisine, c'est une sorcière. Oui, c'était comme ça. Donc en général, les temples Devi engendraient toujours des femmes qui sont capables d'autres choses. En ce moment, nous formons une nouvelle culture de Bairagini et de Devi Sadakas. L'idée n'est pas seulement d'avoir des diables rouges qui se baladent dans l'ashram. L'idée, c'est que, progressivement, la divinité se met à marcher. Ça va peut-être leur prendre un certain temps, mais petit à petit, pour produire ce que vous considérez divin et que vous avez enchâssé, doit vivre avec des jambes. Donc, le divin féminin a été déraciné simplement parce que le processus religieux abrahamique est entièrement tourné vers le masculin. Il est complètement masculin. Il n'y a aucune place pour que le féminin soit quelque part. C'est Dieu et son Fils, c'est Dieu et ses messagers, tous des messagers hommes, jamais des femmes, parce qu'elles ne sont pas fiables, elles pourraient dire autre chose, parce qu'elles pourraient savoir autre chose, c'est ça le problème. Alors, à cause de ça, en Arabie, en Europe, en Asie centrale, beaucoup de destructions ont eu lieu. Mais il n'y a pas un seul village dans tout l'Inde sans un temple Devi. Et quand je suis allé au temple de Somnath, il a été détruit 17 fois par un certain seigneur de guerre afghan. 17 fois, il a fait ce voyage, qui fait probablement 1400-1500 km. Il fait ce voyage juste pour détruire ce temple. La première fois, je peux comprendre parce qu'il y avait un butin, il y avait de l'or et autres. D'accord, il le pile, le détruit, le brûle et s'en va. Pourquoi revenir une deuxième fois? Peut-être encore un peu de richesse. Mais après ça, il n'y avait plus de richesse parce que les gens n'érigeaient que de petites choses. Mais il est venu le détruire 17 fois. Alors j'ai demandé, pourquoi? Le truc c'est que, parmi ces 3 déesses dont il parle en Arabie, à l'ère pré-islamique, une de ces déesses, une des divinités, certains dévots l'ont emporté de là-bas et l'ont établie dans le temple Somnath en tant que compagne de Shiva. Donc il voulait détruire cette déesse. Donc le gars a fait un voyage de 1300, 1400 km, 17 fois, à dos de cheval, pour la détruire. C'est dire l'importance de détruire une femme dans ce monde. C'est à ce point important. Parce que si vous donnez du pouvoir au féminin, alors toutes les lois idiotes que vous... toutes les idéologies idiotes, les lois du paradis et les bêtises que vous avez créées, tout ça va s'effondrer. Je ne vais pas détailler comment ça va s'effondrer, mais réfléchissez-y. Supposez que vous acceptiez une femme en tant que Dieu. Tout à coup, le besoin de partir ailleurs pour bien vivre disparaîtra, parce que ce n'est pas la nature du féminin. C'est toujours masculin. Il veut partir ailleurs et ensuite bien vivre. Au moins ailleurs dans ce pays, ou un autre continent de cette planète, ou une autre planète, ou une autre galaxie, ou une autre dimension, appelée l'Éden, le paradis, ou ce que vous voulez. C'est une lubie d'homme, il veut aller quelque part, et ensuite bien vivre. Il ne peut pas bien vivre ici, c'est son problème. C'est un très gros problème masculin, de ne pas pouvoir bien vivre ici. Si vous regardez le mâle et la femelle, vous verrez que le féminin veut toujours se poser, là où il y a un peu de confort, se poser et bien vivre. L'homme veut grimper la montagne et se poser de l'autre côté. Ce côté de la montagne ne lui va pas. Donc, si vous avez fait un dieu mâle et un dieu femelle et ils sont ensemble, comme Shiva et Parvati ou autres, vous ne voudrez aller nulle part. Même Shiva s'est posé à Kashi à cause de Parvati. C'est un vagabond. Mais pendant les mois d'hiver, après s'être marié, il s'est rendu compte que c'était très difficile pour elle d'être à haute altitude dans l'Himalaya. Pour elle, il est descendu à Kashi. Mais ensuite, lui aussi a commencé à tellement aimer ça que pendant longtemps, il n'est pas reparti. Donc, le féminin amène toujours à se poser. Le masculin veut propulser ailleurs. Cette propulsion, trop de propulsion. On a besoin de propulsion, bien sûr. Mais trop de propulsion cause d'énormes dégâts à tous les niveaux de la vie. Aujourd'hui, tout un tas de gens ont commencé à philosopher. C'est uniquement parce qu'on en a trop fait avec notre économie, le virus est arrivé pour la neutraliser. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas la bonne façon d'équilibrer notre économie ou notre activité. Il y a des façons plus sensées de le faire. Et l'une des façons importantes de le faire est de donner du pouvoir au féminin. Vous verrez, de bien des manières, cette propulsion va ralentir un peu. Soit vous devez être tourné vers l'intérieur, alors vous pouvez être assis ici. Soit vous êtes lié à une femme d'une certaine façon, alors vous serez assis ici. Autrement, un homme célibataire, on ne peut pas le contrôler, il est tout le temps à fond. Si vous êtes tourné vers l'intérieur, sans aucun effort, vous allez vous asseoir. Autrement, une femme peut vous arrimer. De bien des façons, l'économie et la destruction de la planète n'en est pas encore arrivée au point où c'est irréversible, simplement parce que la plupart des hommes ont encore besoin d'une femme. Très peu d'hommes qui peuvent vivre sans femme. Ils sont soit ascétiques, donc pas de problème, soit ce sont des tyrans super ambitieux, et ils sont un problème. Oui. Donc, Devi a-t-elle été détruite? Eh bien, je vous le dis, elle est partout dans ce pays. dans chaque village. Il peut ne pas y avoir de temple pour un dieu mâle dans un village, mais il y a toujours un temple pour une Devi. Aucun village du Tamil Nadu n'est sans Mari, Mariamman. Aucun village du Karnataka n'est sans Mari. Là elle est Mari, ici elle est Mariamman, ailleurs elle est Kali. Elle est douée pour prendre plein de noms. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas pu se protéger? C'est la nature d'une femme. Si ça devient trop moche, elle ne sera pas là. Elle va aller se poser là où c'est propice. C'est exactement ce qu'elle a fait. Nous devons prendre soin d'elle. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha